maman lui a dit « Tu es militaire ?» Mon fils lui a dit « Oui, je suis militaire. » Et alors, il a dit « Je vais te tuer. » Mercredi à 20h45, Histoire immédiate revient sur les tueries de Toulouse. Comment Mohamed Merah est-il devenu le criminel que l'on connaît? Par quelle étape est-il passé? Comment a-t-il pu commettre de telles horreurs? Une contre-enquête pour tenter de comprendre, suivie d'un débat avec Samuel Etienne. Le système antiterroriste, il est fait pour éviter les attentats. S'il y a un attentat, c'est qu'il y a une erreur. Puis à 22h45... Pourquoi l'a-t-on pas arrêté? Pièce à conviction prolonge l'enquête auprès des services secrets. Il est surveillé par les renseignements généraux. Comment a-t-il pu échapper à leur vigilance? Quand on voit son profil, on sent quelqu'un qui a été au contact de djihadistes dangereux. Mohamed Merah a été renvoyé avec une mission précise. Retour sur une tragédie qui a bouleversé la France. L'affaire Merah, investigation et analyse inédite, c'est mercredi dès 20h45 sur France 3.